Bien, mesdames et messieurs, je viens d'accueillir pour le féliciter le quartet, le quatuor tunisien de la démocratie et du courage qui vient d'obtenir le prix Nobel de la paix. Nous avons discuté à la fois pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes, ce qu'on appelle le dialogue national, qui est tout à fait exceptionnel, à un moment où les choses étaient très difficiles. Mais ils ont eu la modestie de dire qu'à travers eux, c'est le peuple tunisien, ce qui est vrai, qui est récompensé de cette distinction exceptionnelle. Et c'est un espoir qui est là. Ça montre que, malgré toutes les difficultés, un chemin est possible. Et pour cela, nos amis reçoivent le prix Nobel de la paix. Et comme la France est extrêmement attachée à la Tunisie, je leur ai confirmé, le président de la République le leur dira demain, que la France était et sera aux côtés de la Tunisie sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, puisque la réussite de la Tunisie et la nôtre, tout ça est lié. Hein, nous sommes maintenant tous liés. En tout cas, bravissimo à ce quatuor tunisien exceptionnel qui a montré ce que peut la sagesse, le dialogue, le courage et tout simplement le sens civique. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose? Allez-y. C'est difficile après vous. Hein. Non, on peut. Je peux parler au nom de mes collègues. Donc, nous vous remercions vivement pour votre accueil. Nous remercions du soutien de la France et surtout des félicitations aussi bien de Votre Excellence, Monsieur le Ministre. Demain, on sera reçu par le Président de la République. Donc, c'est un honneur pour nous. Nous avons accompli une tâche difficile, en un temps difficile, c'est de trouver une solution pour notre pays. On l'a réussi, mais nous avons beaucoup de challenges. J'espère que la France sera toujours à notre côté pour nous aider et pour être avec nous. Nous sommes des partenaires et souhaitons beaucoup de bonnes choses pour la Tunisie et aussi bien pour la France. Merci. Merci à vous. Merci.